Salut seulement, aujourd'hui, c'est vendredi le 30e de septembre à la réception de 2022. D'après la nouvelle application de cam présentée dans la vidéo dans le site web de WSX.com pour le jour aujourd'hui, on me dit que la nouvelle vous fait savoir ce qui s'est passé récemment dans l'État de Floride des États-Unis concernant ce qu'il faut savoir pour les résidents de l'État de Vermont des États-Unis qui se trouvent reliés à des résidents de l'État de Floride des États-Unis en tant que membre de famille ou en tant qu'ami. En parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on me dit que l'organisation à but non lucratif qui s'appelle la Croix Rouge américaine des États-Unis se trouve maintenant en train d'envoyer plus de bénévoles à l'État de Floride des États-Unis afin d'aider à des résidents de l'État de Floride des États-Unis après que l'arrivée de l'ouragan que l'on appelle l'ouragan Ian a traîné à sa suite des impacts déplaisants pour les résidents et l'État de Floride des États-Unis durant le jour de mercredi. D'ailleurs, en parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on me dit qu'on veut entendre parler d'environ 33 000 résidents de l'État de Floride des États-Unis qui ont dû recourir à environ 260 abris d'urgence durant la nuit de jeudi à cause de l'arrivée de cet ouragan Ian. C'est pour ça qu'en parlant de cette matière, d'après la nouvelle, on dit que il y a eu environ 730 bénévoles de cette organisation à but non lucratif, la Croix Rouge américaine des États-Unis, qui se sont engagés dans cette activité de bienfaisance pour aider à des résidents de l'État de Floride des États-Unis. Parmi lesquels, il se trouve trois bénévoles de l'État de Vermont des États-Unis.